24 septembre là, pendant que lui, il m'a bloqué. Hein? Pendant qu'il m'a bloqué. Ah, maintenant, pourquoi il insiste? Parce que à Kolamoudat, à Mounoma Datraminidi, parce que ce qu'il veut faire croire aux gens, que j'ai vendu Pivi. Je n'ai pas vendu Pivi. La personne avec qui je parle, c'est soit on m'a envoyé pour me piéger, soit il était venu pour m'escroquer. J'ai juste joué le jeu. Et j'ai parlé avec Pivi. Même l'État guinéen sait que j'ai parlé avec Pivi. L'État guinéen sait que j'ai parlé avec Pivi. Si Ansou a les audios là, il faut dire que l'État guinéen a les audios là. Est-ce que tu comprends? Donc, il insiste que c'est le contenu qui est important. Parce que pourquoi? Dans le contenu, qu'est-ce qui prouve que j'ai vendu Pivi? Qu'est-ce qui prouve? La personne qui est là, est-ce qu'il a fait passer le téléphone à Pivi pour que je parle avec Pivi là-bas? Non. Donc, pour que les gens puissent comprendre la vérité dans cette affaire, il faut que Ansou, il montre la date. Aussi simple que ça. Agui Renasiga, parce qu'il sait que le contenu. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose aujourd'hui sans parler de date? En matière d'investigation, la date est toujours importante. Bien sûr. Et pourquoi lui, il dit, avec ses adeptes, parce que Ntobara Kelera parti, il cherche à me salir. Vous pensez que moi je vais déposer les armes? On va élire Mamadi Doumbouya. Il va rester en Guinée. Moi je ne suis pas Garomir Mundade. Et les parents de Pivi savent que moi je n'ai jamais vendu Pivi. Pivi a été vendu par ses proches. Et ça c'est clair dans l'audio quand même, il faut le dire. Hein. Voilà. Voilà, maintenant, moi et cette personnalité-là, j'ai envoyé la date. Tu as reçu la date, mon frère. Oui ou non? Oui. 17 novembre 2023. J'ai reçu la date. Voilà, un an après. Maintenant, aujourd'hui, même à Faladin, même si lui dit aujourd'hui que Mbara Finesse a mairie, comme Mbara mairie fera, UFDG mira maintenant, anondinara, parce que moi qui vous ai supporté, je vous ai supporté corps et âme, me sacrifier pour vous. Je vous ai aimé par amour. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas être reconnaissant envers moi, c'est au moins le minimum de ne pas, c'est-à-dire se mettre avec des gens pour m'insulter. Parce que les gens sont en train de regarder tout ce que vous êtes en train de dire sur moi, tout ce que vous êtes en train d'écrire sur moi. Vous pensez que ça donne du bon nom à votre parti? Vous pensez que ça va encourager les gens à suivre l'UFDG? Hein? Ansou qui vous insultait hier, qui vous a traité de tous les noms. Moi, je ne vous ai jamais insulté. Je ne vous ai jamais traité de tous les noms. Lui, il vient mentir sur moi. Vous êtes en train de l'épauler. Hein? Vous pensez que c'est ça qui va me faire taire? Vous pensez que c'est ça qui va faire que je ferme la gueule? Jamais. Ntana falar Mamadi Doumbouya. Sosuena nana soronti. Mana falama obert. Oh et fort. Oh et fort. Je suis descendant d'Almami. Je ne dépose pas les armes. Tant que je suis vivant, tant que j'aurai cette énergie-là, je vais contribuer à rassembler la Guinée et les Guinéens. Mais Moufé Loumana, Arasango Mounara Nabari. C'est pourquoi je suis venu prouver. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je peux dire quelque chose. Bonsoir oui, à tous. Nanette. Jimmy, comment oui, vas-tu? Anadigo, je suis venu en retard. Tambal, toi déjà, je suis fâché. Comment tu peux commencer face à face qu'on a proposé ici et puis moi, on ne m'a pas appelé? En fait, là, là... Nanette, attendant safari. Attendant safari. Moi, j'ai bien voulu de passer comme l'habitude professionnelle. Personne ne va rallier UFDG parce que vous êtes en train de voir le peuple de Guinée, ce qu'ils sont en train de faire. J'ai aimé ce parti. Je me suis battu corps et âme pour eux. Je les ai aimés, apporté mon amour, mon soutien indéfectible. Aujourd'hui, parce que j'ai dit je ne suis plus dedans. Ils sont en train de continuer à voir Tu as été clair avec ça en disant que tu n'es plus dedans. Mais l'histoire de date là, on l'avait dit, je pense que Rana date fait Wayne Minimeride, c'était même moi. J'ai dit, il y a une date, date Nanama et tout. Voilà. Maintenant, si Damaro dit,
que ces messages étaient sur éphémère, 24 heures, ça disparaît déjà. Toi, tu as envoyé les preuves à Tamba. Je pense Oui. que Damoro a utilisé un réseau social qui est TikTok ou Facebook pour venir mettre les audios là. Genre, une façon pour lui de rebeller les gens ou une certaine communauté, un nombre de personnes contre toi C'est qui ça. seront derrière ta vie. C'est Maintenant, ça. je pense que il y a les gens qui mettent dans les commentaires qu'on peut falsifier Je la sais. date. Il n'y a pas de problème, on le sait. Mais ça dépend aussi comment tu enregistres. Si tu fais Maintenant, écoute, capture. écoute, je ne sais pas pour te couper la parole, Nanette. Tu as un iPhone, non? Si tu as un autre téléphone là-bas, enregistre une conversation, tu tentes de modifier la date. Tu ne peux jamais modifier une date d'enregistrement. Jamais on ne peut pas modifier une date. Tu peux modifier l'audio. Tu peux couper l'audio, le raccourcir. Tu peux raccourcir l'audio. Quiconque prend son téléphone iPhone, tu peux raccourcir l'audio. Tu peux tout faire de l'audio. Tu peux rajouter ta voix. Mais tu ne vas jamais, jamais, tu ne pourras jamais modifier la date. Tu La sais, tu sais. première date d'enregistrement, c'est ça Alors, qui reste. tu sais, quand on dit attends, modifier vous avez la si date, bien demandé, jamais. je vous ai toujours dit, et j'ai dit c'est déballage. Là, beaucoup ont demandé, parce que AJ a demandé depuis des semaines qu'il voulait un débat face à face. Pour éclaircir la Moi, tête. je voulais même un débat politique. Hein. C'était pas Exactement. sur ça. Parce L'ami, je que, l'ai comme il répété. sait qu'il ne peut pas me vaincre, à sa Je biniri, l'ai répété. Toi, ah. tu me dis que je t'ai pas informé, d'accord. Alors, toi-même, tu sais déjà. Alors, M. Ansu, en fait, est venu. Voilà, Et à inattendu. l'assistant, Et là. Na Voilà. Non, Non, Anna, Ansu supporte Fede. Anna, Ansu supporte Fede. Non, non, Namaradi. Au fait, et Ntambagine, ma propre épouse, Nanoma, Ansu supporte Ntanyaori. Ma propre épouse. Non, non. Parce qu'elle connaît toute la vérité. C'est la Nirabi. Anne, laisse tomber. Bilengi fait fort. Kabara Serum. Anne, Rembe. Kabara Serum. Ita kole munara bari. Bira kole munara bari. Laisse tomber comme ça. Mais nga doro ansuwa wule sangwe rasa ansuru yirende mirinde ransuwe ramfa Mais amale justement, rapperina. Tama Weni na mène, nana Ah! Nyeri. Na fala fenera, mais il Mais n'arrive c'est pas que en la fait. date peut être falsifiée. C'est normal, tu peux falsifier la date. Mais si tu Non. fais un screen recording, attends, Regarde. il ira enregistrement de l'écran là-bas. Tu rentres dans ta conversation, il ira, c'est un scroll là-bas. N'amène partie date, yo minimène, n'amou non ma falsifié. Donc, si Jamais. toi-même, tu ne montres pas ces preuves-là, si Damaro, lui, sa messagerie était sur éphémère, il n'a pas de date à montrer. Et t'en as un jeu. C'est à toi de montrer ta part de preuve qui prouve Maintenant, que j'ai montré moi réellement ma date. Et tout le monde à dit, qui? Iba Fadea, même Tu as Nisa montré ici? Gamma, même Nisa Gamma. Je veux parler, mais ne me laisse pas parler. Même Nisa Regarde, tu Gamma. vois, c'est toi qui me mets en retard. Je n'aime pas ça. J'aime pas Même être derrière en classe. Nisa Gamma. Ntanang, audio date et tongo, nabirengani tambama. Pourquoi Gifé? Au fait, Ansu a dit, parce que Marafala, Rafa, on va faire débat politique. Anakumba n'a pas fait de justifier ça. Maintenant, quand je lui ai envoyé les audios, à la messagerie, n'a pas éphémère. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il n'a pas laissé là où la messagerie est éphémère, parce qu'il sait que quand il laisse là-bas, ça va disparaître. Il a transféré dans un autre WhatsApp. Mais il a dit. Voilà. Et là-bas, il a transféré. Quand tu transfères un message à une personne, on transfère toujours des messages ici. Mais le jour que tu as transféré, la date, ça reste. Pourquoi on a transféré là-bas date Naram? Le jour qu'il a transféré, pourquoi il n'a pas montré cette date-là? Pourquoi il n'a pas montré pour prouver aux gens que réellement ce Que qu'il je dit que veux c'est. que tu comprennes, Ansu n'a pas à montrer une date parce que c'est pas la tête de Ansu qui va être en jeu.
Non, non, Lui, il t'a déjà non, vendu il avec les m'accuse, moi. audios. Il m'accuse. Non, Oui, tu n'as pas voilà, compris. justement. Il Regarde, m'accuse. je peux parler? Vas-y, Tamba. À un certain moment, il faut juste analyser très simple. Hein. Parce que le deal qui est là, quand on dit c'est AJ qui a vendu PV, on se base sur quoi? Sur les audios? C'est marché à négocier? Ou bien c'est les proches de PV qui ont contacté AJ pour que AJ cherche peut-être les contacts de l'État pour dire que nous, on connaît l'adresse de PV. Si tu peux négocier le marché, nous, on récupère en fait nos parts de gâteau. Parce qu'il y a deux contextes. Hein. Si vous avez bien écouté l'audio, c'est ceux qui ont contacté AJ. Ce n'est pas AJ qui les a contactés, on est d'accord? Ce n'est pas AJ qui les a contactés. C'est eux qui ont contacté AJ. Dans ce cas, eux-mêmes cherchaient un marché, qu'ils gagnent une part de gâteau. Et dans ce marché, négociation, même si AJ gagne sa part de gâteau, c'est un deal qui est là. Parce qu'il faut être clair, c'est pas quand on dit AJ a vendu, c'est comme celui qui a récupéré PV, vous dites PV sort ici, écoute, je vous donne combien, ainsi de suite. Bref, je parle de l'audio qu'on a écouté tout à l'heure. Si on se base sur ça, on se dit, mais c'est pas AJ, AJ qui était dans son coin, c'est pas lui qui a appelé, c'est eux qui. C'est comme moi, j'ai plein de contacts. Quand tu me contactes, je vais pas te dire en fait, qu'est-ce que tu fais? Donc, moi, je vais juste. Quand tu me donnes ton avis pour dire, écoute, Solana, j'ai besoin de toi, tu m'aides à ça. Et en condition de ça, moi, je te dirai ce qu'il faut. Et secondo, on va écouter les deux. C'est comme, voilà, AJ, c'est comme un démarcheur. Merci pour le mot. AJ, c'est comme un démarcheur. Mais est-ce que cela prouve en fait que c'est lui qui a vendu? C'est le propriétaire. Merci. C'est ça aussi, il faut noter. Mais Parce ça, que, en c'est fait, vous toi, savez, ta dans les débats comme moi, parole. quand vous, les invités, Ah, c'est moi. écoute, écoute, quand Mais tu, allez, si tu allez, parles allez, comme ça, allez, tu n'es pas en allez, train d'aider à agir parce que ça, allez. c'est toi, ta parole. Non. C'est au cours de ce live, j'ai dit un nom ici. Quand j'ai dit ce nom, il a paniqué parce qu'Abara Sanan, il a écrit le nom de ce dernier sur sa page. Il ne connaît pas ce monsieur. Vous comprenez? Quand les gars là me contactent, je dis moi je suis Guinéen. Et mon pays, la Guinée, je suis en train de me battre, mais je suis un démocrate. Je ne suis pas pour le sang versé. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Et celui qui me contacte me dit qu'il est aussi dans cette optique-là. Mais que PV dit que c'est à moi qu'il a confiance. Il faut que c'est moi qu'on appelle. Je dis d'abord, c'est dans cette optique-là que je vais parler avec PV. Et je vais dire la vérité ici à tout le peuple de Guinée. Hein? PV n'a jamais eu parce que il est parti dire encore, il est parti dire, Na Fala Manendou, je vais le dire. Il est parti dire encore l'autre jour. Votre Oulémodou, il a vendu PV et il a vendu Verni PV. On m'apprend que Verni PV a été arrêté au Libéria. C'est Ansou qui est parti dire ça. Que c'est moi qui ai vendu Verni PV au Libéria. Est-ce que tu comprends? Je ne vais pas laisser passer ça. Je vais donner exclusivité au peuple de Guinée. PV, Claude PV, même son fils, je n'ai jamais parlé avec son fils. J'ai parlé avec une personne une fois qui m'a dit que c'était Verni, mais je n'avais rien qui me prouve que c'était Verni. Est-ce que tu comprends? La personne m'a dit qu'il a besoin de parler à un journaliste. Maintenant, PV, Claude PV, avec son gars là, qui m'ont appelé, n'ont jamais, n'avaient jamais l'intention de faire coup d'État. Awa, Nara ceux qui pensaient que PV était en fuite là, ceux qui pensaient que PV allait revenir là, PV n'avait jamais cette intention. Avec l'échange que moi j'ai eu avec PV, un échange n'a loup. L'échange que j'ai eu avec PV, même son fils, après il a dit, moi et mon fils, on a dit, on veut vivre en paix. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Il en va la mer. Je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était faux. En tout cas, PV a dit qu'il ne voulait jamais faire de mal dans son propre pays. Est-ce que vous allez comprendre? Donc, si ceux qui s'assoient aujourd'hui pensent que des gens vont venir faire coup d'État contre Doumbouya, ça ne marchera pas, Amoulamfé.
Il n'y aura pas de coup d'État contre Doumbouya. Il n'y aura pas de coup d'État contre Doumbouya. Les Guinéens vont se réconcilier. Voilà. Les Guinéens vont se réconcilier. Les Guinéens vont être ensemble. C'est Semourabama Doumbouya contre. C'est Semourabama la Guinée contre. C'est Wulimu Filma la Guinée contre. Nere Wama Wulira Fili Al-Kolera. C'est Semourabama CNRDira. Nere Wama Wulira Fili Al-Kolo Idime Rabana. Gidime les enfants là. Nere far dimede la Guinée wombara butore kui era womba tore nere wama wulira sing ye rafara emura bama amura bamera ngana fala obe unaga fira obe wulimu filima munta ngwa iborima alkolo ming ni rafale rafa fini bengera amura bama ça ne se fera pas non di nanana nago je vous dis la vérité là et le monsieur qui m'avait appelé ça fait longtemps je parlais pas avec lui quand Ansou m'a accusé j'ai cherché à tout prix le joindre. J'ai dit, ah, on m'accuse d'avoir vendu Pivi. Alors que je ne savais même pas où était Pivi. En vrai, moi, je vais le dire partout. Lui, il a même écrit un livre pour ça. Lui, là, aujourd'hui, il parle, il peut parler avec n'importe qui. Il a dit, n'a animé le soma, il dit, il est prêt à parler. Est-ce que Bara comprend? Donc, en gros, non, dit nanarana. Et fallait dembele makolo non de araoulara. J'ai parlé avec Pivi, mais il n'avait jamais l'intention de faire coup d'état. Il voulait rester tranquille. Et ça Pivi sur Libéria d'Enin. Il vivait là-bas tranquille. Il avait payé maison, il était là-bas. Attends, tu viens de dire quelque chose. Tu as dit makolo non de araoulena. Tu as parlé avec Pivi. Nana muna non de araoulena araoulena. Tu as vraiment parlé avec lui. Il avoue, non, il a j'ai parlé. Avoué, j'ai parlé avec Pivi. Alors, n'a pas de négociation. Et dans la visite de nous Pivi comme ça. Hein? Bateau, quand Kumpi. Bateau, négociation. Pivi, nous, on m'a mis fait Yekiranen. Il voulait partir, mais ça n'a jamais été question de ça. Amouraba, Amoussiga, après, ils ont coupé contact avec moi. Et Mungrili, parce que Tanangrili, ils ne m'ont plus rappelé. Donc, ils t'ont demandé en fait de l'aide pour sortir. Bateau, qui il a Kumpi, Kolo. Ah, Nere, non, m'a mis de Ksonde. Mais je ne m'entendais pas avec le CNRD. Narabane. Oui, bien sûr. Narafala, Nere, Mirin de Kolo Kumpi Fera. Et bien, la comprend. Maintenant, et moi, Bilengli, la soron, il ne m'a plus rappelé. Tu comprends? Oui, d'accord. Voilà. En tout cas, vous savez très bien, je fais toujours du déballage chaque jeudi, écho du tambour. Quand les voix, les autres.